Voilà. Donc, nous sommes là depuis 4 semaines, pratiquement Ouais. inactifs. Pas de compétition, pas d'entraînement. Donc, nous avons eu l'idée depuis quelques jours de bouger un peu plus que Alors. d'habitude et de créer quelque chose qu'on va vous présenter d'ailleurs, vite fait. Ce matin, nous avons été un peu dans la forêt, recueillir quelques tiges de noisetiers, lauriers. Laurier, etc. Par contre, on n'a pas d'osier. Voilà. On n'a pas d'osier. Un petit, enfin plusieurs petits et plusieurs grands. Il y a des Voilà. moyens. Il y a des moyens. On va vous présenter plus tard. Mais ce qui est original, c'est tout de même la maquette qu'on a eu l'idée de créer avec Ocean. Exemple, moi je prends pas un moyen et je fais avec le petit mot. Un petit peu. Comme ça. Doucement. Ouais. Doucement. Voilà. Dans cette maquette, on l'a créée en allant sur plusieurs sites également, mais avec l'aide de Didier Laduche qui nous a fait un atelier Passe à par rien. Sparin, où on a assisté avec Ochan et pas mal de Rougnard, et beaucoup de gens très intéressés. Dans cette maquette, pour le grand chalet, c'est relativement simple, un chalet de pratiquants en fait. On a une planche, vous mettez à l'envers, vous tracez assez précisément quand même. Voilà. Ça équivaut en fait à ce qu'on je la retransmets dans la maquette en fait. Ce sera la partie femelle qui va venir recevoir le chalet qui sera terminé, l'ossature bois. Voilà. Cette partie femelle nous servira donc pour la fin. Et la partie mâle qu'on a retirée, elle se trouve là. Elle servira pour cintrer justement et donner la bonne forme. La bonne forme donc Moi j'ai à le un bois. moyen, voilà, et je fais un peu la forme comme ça, doucement. Après, je peux prendre un gros comme ça, mais voilà. J'ai commencé avec celui-là, alors du coup, j'ai fini. Donc, oui, avec le gros que j'ai mis à tremper tout à l'heure. Auparavant, je l'avais déjà dégrossi, donnait déjà la forme pour gagner un peu de temps. Sur un billot de bois qu'on a la chance d'avoir à la maison, on a bien la forme. Je ne vais pas trop vite, mais bon. Il faut toujours penser quand même aux manches aussi, qui va partir à l'envers. Donc là, je suis en bout, mais j'ai de la marge pour le couper. Je refais dans le sens contraire, donner la forme du manche. Déjà, au départ, ça ressemble un peu à quelque chose. Voilà. Il faut travailler lentement. Là, je travaille un peu vite pour vous montrer. Et ce bois que j'ai travaillé un peu, je vais venir pas le terminer une seule fois. Dans le gabarit, donc, j'en ai deux. C'est vrai que tout est en double. On peut travailler face à face. Donc, je vais passer de l'autre côté. Mon bois est souple. Là, je le passe. Pardon. Le gabarit, il est un peu. Il y en a un qui est plus juste que l'autre. Donc là, le travail. Moi, je continue comme ça, tout doucement. Et au bout de peut-être des petits comme ça, Quand je vais au changer bout de de gabarit. peut-être un quart d'heure, on peut essayer de le rentrer dans le moule si on l'a bien travaillé. Et les gros comme ça, il faut faire peut-être un quart d'heure, les laisser à tremper peut-être vers 1 heure et après refaire. Et voilà. Voilà. Et ça, c'est des tout petits, que voilà, en guise de porte-clés ou comme ça. Voilà. Un peu plus facile, on va dire, à faire. Ça, c'est un moyen. En fait, plus ils sont gros, plus ils sont difficiles alors, en leur, voilà,
Vaut mieux commencer par des tout petits et ensuite finir par des vrais qu'on pourra jouer, tisser, etc. Alors j'ai changé de côté parce que j'ai le bois il faut qu'il soit toujours un peu en pression. Donc j'ai mis un taquet là, j'ai juste 1,5 cm et là j'ai un peu plus parce que le bois est un peu plus gros. Sinon c'est compliqué, il faut pas qu'il y ait trop de jeu en fait. Non. Je vais doucement parce que si ça craque, c'est trop tard. La patience. On a le temps donc. Ça c'est sûr. Et voilà, ça, dès que c'est à peu près bien, et bien voilà, ça donne ça à peu près comme résultat dès qu'il est bien rentré dans le moule, etc. Après, voilà, on n'a peut-être pas rentré, mais bon, pas trop batailler là. Après, à la fin, il faut bien, des fois, il faut faire comme ça. Voilà. C'est à la portée de tout le monde parce que ça prend pas trop de place. Et en fait, c'est transportable. Donc, ça fait. Je pense que à la rentrée, on pourra travailler à deux ou même deux enfants pourront travailler sur cet atelier sans problème. C'est sûr qu'il y aura de la casse, n'est-ce pas, Didier? Mais on commence toujours par des échecs et après on arrive. Petit à petit, celui-là ici, il commence. Celui-là déjà, on sent qu'il est cassé. Voilà, bon, voilà. Je continue, il me semble qu'il est assez souple pour le mettre dans le moule. Voilà. Alors, je vais commencer. Le plus gros, il est toujours à gauche. Et, ah oui, sans oublier... les mesures, c'est très strict au niveau international. C'est 250 mm, 25 cm de longueur. C'est pour les petits. Longueur. Et 8 cm pour la largeur. Et pour les grands, pour ceux qui sont joués, etc., c'est. Un joueur de haut niveau. C'est 60 cm côté longueur, 18 cm pour côté largeur. Voilà. Et là, je mets toujours le plus gros morceau à gauche. Et là, voilà, j'essaye de le placer. Faut pas insister. Je vais peut-être le casser. Parce que c'est pas très très facile. Je vais le remettre à retremper. On peut le retravailler, peut-être même à l'envers, parce qu'on peut le retravailler à l'envers. Bien sûr. On a toujours pensé aux manches également. On peut le retravailler à l'envers, il n'y a pas de souci. Il faut aller doucement. Moi j'essaye, il va peut-être casser, parce que je fais pas souvent tout seul, surtout avec mon père. Bon, voilà la façon, hein, il faut travailler. Donc le bois, plus on travaille, plus il devient souple. Chose qui est très importante, le bois cassé, on évite de les jeter, surtout dans la nature. On sait que ça revient à la nature. Un chalet qui est cassé. Moi je vais tout doucement, hein, millimètre par millimètre. Un chalet cassé peut toujours se réparer. Donc ceux qui ont été mis déjà en forme, faut les garder.
parce que c'est quand le bois il casse, par exemple ici, le bois il a des faiblesses ici. Donc s'il faut le remplacer, même qui a un bon cordage et tout, il faut les garder parce qu'ils peuvent servir justement pour remplacer. Il suffira de faire un pansement là, là, mâle et femelle, les coller et les assembler. Donc toujours essayer de garder la forme là aussi. Allez. Vous voyez là, il me semble que j'ai un petit pli. Alors je vais soit essayer de le retravailler un petit peu l'autre côté comme ça, à peine, pour après essayer de qu'il reprenne. Qu'il reprenne pas le pli. Alors c'était bizarre, le bois tout à l'heure était sec. On laisse tremper dans l'eau quelques heures et on arrive à lui redonner la forme. Voilà. Mais il faut le sentir, ça casse pas. Voilà, voilà. Donc également, voilà des bois qui ont été cassés. Et le charme veut que... Pardon. On peut les inverser. Bon, mon chalet, il a un petit pli, regardez. Je le fais à peine comme ça. Et il s'est plié ici, alors du coup, il faut que je le fasse l'autre côté. Oui, cassé. Comme ça, il faut que je le fasse l'autre côté. Ah ben voilà, il s'est cassé. Il avait une faiblesse, alors... Mais c'est pas grave, hein. Je prends le sécateur. Et je vais couper. Même, je peux le refaire avec un petit. Ou même, c'est pas grave, s'il a encore la longueur qu'il faut, ben je le coupe et je vous refais. C'est pas grave. Voilà. Vite, tu vas faire. Tiens, fais. Non, vas-y, vas-y. Explique. Non, je vais vous présenter vite fait parce qu'il ne faut pas que ce soit trop long, je pense. Ça, ce sont des cales. J'ai numéroté par acquis de conscience. J'ai juste les 15, ça fait l'intérieur à peu près. Voilà, avec les gabarits. Bon, je vais vous enlever. Un qui était mis en forme ici. Voilà. Là, le chalet, il est droit. Donc, avant qu'il sèche, il faut toujours lui donner quand même. Si vous sentez qu'il a trop séché, on peut le retremper dans l'eau quelques temps et lui donner la forme. Ça dépend du joueur. Il y en a qui veulent. Voilà, je lui ai... Mon chalet, il n'a pas une très bonne forme, mais il est pas mal quand même. Alors voilà, comme ça. Après, voilà, j'essaie de lui donner la forme. C'est surtout ici qu'il ne faut pas casser. Et ensuite, soit vous faites avec les mains ou... Moi, j'utilise... ouais, voilà, avec les mains. Et voilà. Ici, faut et après, ici, il faut prendre un petit bout de bois ou comme ça. Et après pour les écarter ici, tchac, ici, voilà, après, tchac, voilà, et si vous voyez qu'il dépasse, ben là, c'est trop grand, hein, mais un bon qui tient bien, j'espère qu'il va être bien, voilà, et voilà, il a sa forme, et là, il a sa forme, nickel. Et ici, il faut couper pile poil au bout, quoi. On peut couper après aussi. Voilà. Ou même après, voilà. Voilà. Voilà notre là. Chalet fait. Ici. Et après, ça donne ça quand c'est à peu près sec. Ou après, vous mettez soit du scotch pour que ça tienne. Comme ça. Après, le bois, il garde la forme. Hein. Il garde la forme, même si on enlève, il va garder la forme. Donc ici, là, le chalet était plaqué. Bien. Donc, suivant les joueurs, ils ont mis à la courbure. Il y en a qui préfèrent jouer avec un chalet plat, d'autres courbés. Les avant, ils jouent un peu plus courbés. Donc là, on lui donne la forme ici. Voilà. Et ensuite, on ira à peu près. Et ensuite, on ira le mettre. On va l'assembler avec un autre chalet. Pour donner bien la courbure ou voilà. Pour maintenir la courbure. Il faut bien regarder qu'il soit pas à l'envers. À l'envers, voilà. Là, il est à l'envers. Voilà, comme ça.
Voilà. Et ça, après, vous laissez appuyer et voilà. Ça, c'est le système que les anciens nous ont transmis, hein, tout ça. Mais nous, c'est l'intéressant, c'était la maquette pour les enfants. Et pour les parents, et bien évidemment, qui vont jouer le jeu. Et voilà le résultat du grand, du moyen. C'est vraiment... ça, ce sont des Didier. Didier Aduche qui s'est fabriqué. Voilà. On a copié un peu. Et ça, c'est... pour les enfants. En déco. Alors, en souhaitant que la prochaine étape, ben, c'est-à-dire on va faire la présentation chez les enfants. L'étape très importante sera le cordage et le tressage de bien savoir les nœuds et tout. En fait, c'est tout le temps la même chose. On fait. On fera une autre vidéo. Voilà. Et le projet, c'est que pour l'été prochain, minimum, on fasse peut-être une exposition au Cantio d'abord, et peut-être pour le mardi de l'été, voilà. Et pourquoi pas pour les finales du chargé pilote à Ourian. Sans oublier, important, merci à tous ceux qui y travaillent, qui s'occupent de nous dans ce moment difficile, un peu le corps médical et ainsi de suite. Et sans oublier personne, un grand merci à tout le monde. Voilà, merci. Et à nos anciens, à nos ancêtres, ils nous ont transmis cette passion. Voilà.